Il l'a mal pris. Jessica Thivenin et Thibaut Garcia filent le parfait amour depuis plusieurs années. Très transparents avec leurs abonnés, ils n'hésitent pas à partager leur quotidien sur les réseaux sociaux. Toutefois, il y a des limites à ne pas franchir et la jeune femme semblait bien décidée à embêter son mari. Ce dimanche 5 décembre, elle lui a fait une petite blague qui n'est pas passée inaperçue. En effet, la candidate des Marseillais a récemment révélé qu'elle avait un souci avec ses vidéos Snapchat. Une fois qu'elles sont mises en ligne, il est impossible pour elle de les supprimer. Face à un Thibaut Garcia très légèrement vêtu, elle a profité de cette occasion pour lui faire une mauvaise blague. Sur les vidéos, on pouvait donc le voir en peignoir en train de lire une histoire à Mélon. D'un coup, les internautes ont pu entendre « Je ne rigole pas ». On les voit ou pas ? A-t-il demandé sa femme. Sur la vidéo suivante, si est une Jessica Thivenin en train de pleurer de rire que ses abonnés ont pu découvrir. Face à cette réaction, Thibaut Garcia s'est légèrement emporté, on les voit ou pas? Je ne rigole pas avec les trucs comme ça, a-t-il conclu. Elle était amusée. Si Jessica Thivenin était hilare, ce n'était pas le cas de son mari. Ainsi, elle a rapidement souhaité expliquer à ses abonnés ce qu'il venait de se passer. Je vous explique, il y a quelques jours, je vous avais dit que je n'arrivais plus à supprimer mes Snapchat, a-t-elle rappelé avant d'ajouter, et sous son peignoir il est tout nu. Elle a donc pris cette opportunité pour faire une mauvaise blague à Thibaut Garcia. Donc d'un coup il a fait, chérie tu nous as snappé? Ne me dis pas qu'on a vu mes coucougnettes quand même. Et je lui ai fait croire qu'on les voyait. Vous ne vous imaginez même pas, a-t-elle assuré. Bien décidée à aller jusqu'au bout, elle précise ensuite, je lui ai dit que je ne pouvais plus supprimer. Il m'a répondu, chérie arrête, j'ai chaud, j'ai chaud. Jamie trouve faire ce genre de blague. Si la jeune femme était très amusée de cette situation, elle a rapidement affirmé que ce n'était pas le cas de son mari. Il n'était pas bien quand je lui ai fait croire qu'il y avait ses coucougnettes sur Snapchat, a-t-elle conclu. Jessica Thivenin devra faire attention prochainement puisque Thibaut Garcia n'hésitera pas à se venger. Jessica Thivenin, a-t-elle déjà fait une mauvaise blague à son mari? Jessica Thivenin aime embêter son mari lorsqu'elle le peut. Ce n'est pas la première fois qu'elle lui fait une mauvaise blague, qu'elle partage ensuite sur ses réseaux sociaux. Le 22 août dernier, elle a donné naissance à son second enfant, une petite fille prénommée Livane. Quelques jours plus tard, elle s'était confiée à ses abonnés. Bon par contre maintenant que je sais que je peux réaimer un enfant autant que Mélon, je pense que je vais vraiment chauffer. Avait-elle déclaré avant de se stopper net. La raison? La réaction de Thibaut Garcia, chauffé à quoi? Si est fini, avait-il affirmé avant d'ajouter, mais non quest ce que tu racontes? Si est pas le moment. Tu veux être allongé encore? Une petite blague qui n'était pas passée inaperçue et la jeune femme avait ensuite précisé qu'elle était très heureuse avec ses deux enfants et ne voulait pas d'autre. Loading DJ.